sa qualité seulement, ça c'est l'Union sociale. Hein. Il crée un espoir extraordinaire dans sa commission-là. Pareil, moi, maman, la vie, tu peux changer avec l'opportunité. Opportunité. Ah, tu es souvent, mais la vie, tu peux changer, pas 100 jours, 10 jours. C'est une désillusion. Ça, c'est. Vous voyez, ce gouvernement-là, il est expert dans créer une crisis of expectations. Mais il est cruel vis-à-vis de descendants d'esclaves et de coups. C'est un manque de respect. Dans le cas de la commission qui nous fait poser, dans le cas de Equal Opportunity Act, même affaire, si vous voulez, vous n'avez pas l'espoir, fou, qui se joue de tout. Au lieu de ça, vous pouvez qu'il arrive de sur l'éducation comme chef. Et comme on pose l'industrie sucrière, si vous voulez, reggae, la veille, 1er mai 2007, ça va être expectations qui ramoulam, valaïden, banmarit, ministre du travail, ça l'époque là. Ça va être expectations qui me crée, qui fait, parce que tu perds, pas pour gagner la foule le 1er mai 2007. Alors il me crée, il fait un tamassa, il fait une promesse extraordinaire. Sur tout l'eau, 40 heures. À ce là oui. Mais là aussi, longtemps qu'il y a un cours de poids électoral, pas fini, dans l'essentiel, on peut y aller au-delà. Nous attendons, bien sûr, que dans quelques semaines, on ne peut pas rappeler, dans 3-4-5 semaines, nous y dire, nous payons beaucoup de contrôle, parce qu'il nous les voit 6 points là. Il y a aussi 6 points là, avec les poids électorales, et 6 points là, lesquels, c'est-à-dire, au plus valable, l'année là. Mardi, le rapport de l'Europe. Dans les jours à venir, vous ne connaissez pas le rapport accepté ou rejeté, parce que le gouvernement a une majorité au Parlement. Mais comment ça, l'étape-là, terminée, nous remettre nous au travail, nous finalise, nous la liste. Dans ce cas. Et dans cette situation, il y a le numéro 5, fini, confirmé des candidats. Le troisième là, il y a toute la manipulation, bien sûr. Eh oui, mais aujourd'hui, selon vos renseignements, avec ce qui est arrivé aujourd'hui, la circonscription, quand elle a le plus grand nombre d'électeurs et d'électrices d'origine chinoise, c'est numéro 5. Mais la découpage électorale, est-ce qu'il. Ça, c'est un fait. Est-ce qu'il a ça, nombre d'électrices et d'électeurs d'origine chinoise, est-ce que je reste dans 5, ou bien je crois dans 4, ou bien je crois dans 3, reconnais-moi. C'est pourquoi il y a bien tiré de circonscription que nous annonçons 3 candidats. Mais même ça, si tu mènes un vrai bouleversement, vous me dites ça, hein, qui nous fait progresser dans notre liste candidat, sujet à ce qui arrive. On ne peut pas croire, France, on ne peut pas croire qu'il y a un grand bouleversement. Et on ne peut pas prévoir un grand bouleversement. Attendons voir. C'est un changement aussi qui est capable de faire. C'est ça capable de mettre une frustration, c'est que même là, vous attirez un peu. Oui. Mais la vie, c'est. Beaucoup de rire, et des frustrations aussi. C'est la vie. Mais il n'y a pas quelqu'un qui pense. Mettez-moi pour faire confiance à l'intelligence de vos collectivisants, vos militants, l'intelligence qui. Beaucoup de pseudo-dirigeants politiques. Donc, on a peut-être reposé, nous avant tout guidés par l'intérêt pays, nous sommes pas pour là. C'était une commission électorale, une commission. Moi, c'est la seule. Comment est-ce que vous voyez la commission après 20 candidats? Vous parlez de nom de personne. Parce que ça continue de venir, ça continue. Parce qu'il y a des bébés. Mais c'est pourquoi, depuis, comment vous pouvez répéter ce que vous disiez l'année dernière? Mais malheureusement, tu sais la dire ça. Et non seulement, nous disons qu'il n'y a pas comme dans rien d'autre. Dans l'histoire maurice, non, en plus, c'est quoi, moi, je ne sais pas connaître.
parce qu'on parle de ce qui était nous. Et à ce là, ouais, qui était nous, nous, nous,